j'ai pénétré dans cette forêt fantasmique. Je rêvais que d'une chose, c'était trouver l'épée magique. Bien évidemment, je ne l'ai pas trouvée. Ou peut-être bien si, mais j'ai pas pu la retirer. Emporté par la folie, j'ai continué à avancer. Elle me contait son histoire, moi j'en restais bouche bée. Il paraît qu'en Bretagne, les légendes ne meurent jamais. C'est la terre de mes ancêtres que tout le monde connaît. La légende Brocéliande, le roi Arthur est aux commandes. La table ronde des chevaliers, j'aimerais tant la partager. Ma Bretagne de légende, de Quimper à Brocéliande, j'y vois de nouveau des Arthur et sa fidèle Excalibur. Mais Merlin a disparu, les chevaliers ont déserté. J'ai pourtant tout lu là-dessus, mais ce que j'y vois c'est encassé. La magie est toujours là, encerclant la tombe du druide. Il n'y a qu'un artefact, mais j'y ressens pourtant son fluide. Avec une voix telle que celle-là, il y aurait assez de magie pour ressusciter notre bon roi. La légende Brocéliande, le roi Arthur est aux commandes. La table ronde des chevaliers, j'aimerais tant la partager. Ma Bretagne de légende, de Quimper à Brocéliande, j'y vois de nouveau des Arthur et sa fidèle Excalibur. Même si la fin du monde devait arriver, maintenant j'en suis sûr, ma Bretagne sera sauvée. Alors repartons à la conquête du Graal, mes chers amis. C'est sûr qu'il existe, pourquoi on nous aurait menti? La légende Brocéliande, le roi Arthur est aux commandes. La table ronde des chevaliers, j'aimerais tant la partager. Ma Bretagne de légende, de Quimper à Brocéliande, j'y vois de nouveau des Arthur et sa fidèle Excalibur. Même si la fin du monde devait arriver, maintenant j'en suis sûr, ma Bretagne sera sauvée.